Salam alaikum tout le monde. Pour cette recette de gâteau pour l'Aïd, le fameux Rich Brand, il vous faudra 2 œufs, du zeste de citron, 1 verre d'huile, 1 verre de sucre, 1 verre de maïzena, 1 verre de beurre, 1 bol de farine, de la fleur d'orange, 1 sachet de levure chimique de 8 g, 1 sachet de sucre vanillé et 2 œufs. On commence par disposer les 2 œufs et le sucre. La farine, c'est par rapport à la quantité du mélange que vous allez prendre. On ajoute le sucre vanillé et on mélange tout ça jusqu'à obtenir une pâte homogène. On ajoute l'huile. On mélange bien pour que l'huile rentre bien dans la pâte. Il ne faut pas qu'il y ait des résidus d'huile. On ajoute un demi-verre de fleur d'oranger. Et on mélange bien. On ajoute la farine petit à petit. Vous mettez la quantité d'eau dont vous avez besoin. Vous pouvez vous arrêter de verser la farine à partir du moment où la farine... où le mélange devient très dur, très hétérogène. On ajoute la levure chimique. On ajoute un peu de farine et on mélange bien, cette fois-ci à la main, pour que le mélange soit plus dur. Si votre pâte est dure, elle est complètement ratée. La pâte doit être molle, comme dans la vidéo. Ensuite, je vais faire des petites boules. Puis on enfourne à 180 degrés pendant 30 minutes. Et voilà les petits gâteaux. Ils sont très beaux, très mignons. On va les imbiber de confiture réchauffée. Dans la confiture, j'ai mis de la confiture et un peu d'eau d'oranger. Puis on va les mettre dans de la noix de coco. Et voilà le résultat. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout de vous abonner. La recette la plus simple de gâteau pour la riz, c'est celle-là. Bye, à la prochaine.